Élection législative ce lundi au Canada. Un scrutin pour déterminer si l'actuel Premier ministre Justin Trudeau reste au pouvoir ou non. Le chef du Parti libéral a voté à Montréal. Les bureaux de vote ont ouvert tôt ce lundi matin dans la province atlantique de Terre-Neuve et Labrador. Et compte tenu de l'étendue du territoire, les derniers à voter seront les habitants de Colombie-Britannique, la province la plus à l'ouest. Près de 27,5 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les 338 députés qui siègent à la Chambre des communes, à Ottawa. Après 4 ans au pouvoir, les libéraux semblent marquer le pas. Le Premier ministre Justin Trudeau est affaibli par plusieurs scandales. Les derniers sondages indiquent qu'il devrait perdre la majorité absolue. Son principal adversaire, c'est cet homme, Andrew Scheer, jeune chef du Parti conservateur. Il faudra aussi compter sur le nouveau Parti démocratique, une formation de gauche emmenée par Jagmeet Singh, une des révélations de ces élections. Et puis il y a aussi le score attendu du Parti écologiste, les Verts. La question de l'environnement a jalonné la campagne électorale. Et enfin, il faudra guetter les résultats du Bloc québécois, une formation qui ne présente des candidats qu'au Québec, mais qui pourrait peser dans une éventuelle coalition. Les premières tendances seront connues dans le courant de la nuit.